matin, on s'en va au bioparc de la Gaspésie. On va vous montrer ça. Faire quelques images. On check les papillons. Et Cindy qui vont procéder au repas et à l'entraînement des phoques. Ce que vous avez ici, ce sont de l'espèce du phoque commun, une des quatre espèces qu'on peut observer en Gaspésie. Les trois autres étant le phoque gris qu'on peut de temps en temps voir dans la baie des Chaleurs et sinon le phoque à capuchon et le phoque du Groenland que vous pourrez voir plus vers la côte de Gaspé, évidemment plus au nord aussi et à certaines périodes de l'année dans la région ici pour certaines migrations. Alors, nos deux phoques sont des femelles. Nous avons Puce et Trompette. Puce, c'est la doyenne du parc. Elle a 27 ans et Trompette a 23 ans. Sur leur roche, chacune, Puce est ici. Si vous me voyez la main pointée, Puce est ici, a 27 ans. Trompette, sur l'autre roche, à 23 ans. Premier entraînement, positionnement. Donc, chacun sur leur roche, ça nous permet souvent de leur donner un poisson entier dans lequel on voudrait insérer, par exemple, vitamines, minéraux, médicaments au besoin. On s'assure que chaque phoque a exactement le poisson dont il a besoin. Les entraînements ici visent essentiellement trois choses. Entraînement physique et mental, stimulation physique et mentale, et on les encourage aussi à reproduire des comportements qu'on voit en nature. Donc, ce que vous voyez là, taper sur l'eau, la mer fait ça pour attirer. Il va vider ses poumons, une bonne partie de l'air. Il va réserver seulement de l'air pour les organes essentiels, le cerveau, le cœur.
c'est ça, j'ai dit. Gassez-moi dans la flotte, qu'est-ce qu'il faut. La loi, je pense que c'est la salle. Il y en a qui marche là. Mais pour finir notre belle visite, nous avons eu une belle surprise à l'entrée. Aujourd'hui, c'est gratuit. À tous les premiers dimanches du mois, l'entrée au Bioparc est gratuite. Fait que nous avons bien aimé notre visite. Je vous suggère fortement cette activité qui se retrouve à Bonaventure. Le camping Carleton-sur-Mer, situé à Carleton-sur-Mer, qui est le camping municipal, contient 300 sites. Les prix varient de 24 à 65 $. Il y a des accessibilités pour les personnes à mobilité réduite. Il offre le 15, 30 et 50 ampères. Il y a une buanderie. Il y a des unités avec vue sur plan d'eau. Il y a des bornes de recharge pour véhicules électriques. Les animaux de compagnie sont acceptés. Il y a plusieurs blocs sanitaires. Il y a une station de vidange. Il y a l'Internet sans fil gratuit. Il y a une salle communautaire. À proximité, il y a une plage. Il y a le quai de Carleton-sur-Mer. C'est super beau. Il y a un terrain de jeu pour enfants sur le site du camping aussi. C'est vraiment une place à découvrir. Là, à côté du camping, c'est vraiment une belle place. Je vous invite à aller visiter cette région. Thank you.
Si vous avez aimé la vidéo, j'invite à liker, partager ainsi qu'à commenter.